Le riz représente 70% de la production agricole totale à Madagascar. Cependant, la production nationale reste insuffisante pour satisfaire les besoins de la population, qui est en constante augmentation. Le rendement moyen demeure faible, inférieur à 3 tonnes à l'hectare. Une telle stagnation de production a conduit les chercheurs d'Africa Rice, en partenariat avec FOFIFA, à introduire un panier de bonnes pratiques agricoles. L'objectif de l'essai est d'évaluer l'adoption de la bonne pratique agricole par les paysans. L'introduction de la composante a été effectuée durant la saison humide, à partir de janvier 2021, dans la zone rizicole de Menabe, plus précisément dans la commune rurale d'Ankilzat, district de Mahab. Une enquête sur l'écart de rendement y a été précédemment effectuée en 2020 afin d'évaluer les contraintes de production dans la région. Même si la plupart des riziculteurs commençaient à adopter les techniques de riziculture déjà vulgarisées, une grande majorité d'entre eux continuent avec les pratiques traditionnelles qui s'avéraient moins productives. Sur ce, les composants technologiques ont été disséminés dans la zone sur une parcelle de 200 m² par agriculteur. Il s'agit de l'utilisation de variétés améliorées et semences certifiées, le Cebota 70, la confection de diguettes et le nivellement des parcelles, le repiquage en ligne avec écartement entre pieds de 20 x 20, le sarclage mécanique suivi de sarclage manuel et l'application d'une dose appropriée d'engrais en moment opportun. La fertilisation se déroule comme suit. D'abord, épandage d'un fumier de 5 tonnes par hectare avant le labour. Ensuite, application d'engrais NPK 11-22-16 à dose de 200 kg à l'hectare avant le repiquage. Au stade d'allage, soit 15 jours après le repiquage, épandage duré à raison de 50 kg à l'hectare. Et finalement, un deuxième épandage duré à raison de 50 kg à l'hectare au stade d'initiation paniculaire. Durant la première saison d'introduction, 10 riziculteurs participants ont été choisis avec l'aide des techniciens locaux de la D2M. Ensuite, l'essai a été répété pendant la saison sèche de 2021 avec 15 nouveaux riziculteurs. Une participation active des jeunes et des femmes a été observée. Tout au long de la saison de culture, une descente régulière du terrain a été réalisée pour surveiller la croissance des cultures, l'état de l'eau des champs et les éventuelles maladies et ravageurs de cultures. Voici l'un des paysans qui avait participé à l'essai durant la première saison, expliquant comment s'est déroulée la mise en place de l'essai et les résultats obtenus sur son propre champ.
un technicien de terrain de AD2M, Basia Kilzat, donne son avis sur le succès de la pratique. Le rendement passait de 2 tonnes à l'hectare à 4 tonnes à l'hectare. Cependant, le prix élevé des engrais minéraux à Madagascar a rendu la production moins rentable pour les agriculteurs. Ainsi, avec une réduction des prix des engrais, la production serait plus profitable.